السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نقدم الكور ديال لابليكاسيون، دونك يعني كور مهم، دونك هما التطبيقات. دونك يعني التطبيقات يعني بحال اللي كنقولو على لي فونكسيون، اوكي. دونك لابليكاسيون هي تطبيق وهي فونكسيون كذلك. دونك بروميير باج غنشوفو لابليكاسيون، بروميييرمون غنشوفو ديفينيسيون يعني التعريف ديال لابليكاسيون، سوا او اي اف دو زونسومبل. Une application F de E dans F, ou le kingolo de E vers F. Ok? Vers, il y a une nahwa ou là dans phi. Ok? Est une procédé qui permet d'associer à chaque X élément de E un unique élément Y de F. On dit que, n'akoul, Y est l'image de X par F. Et on note y égale à f de x. Yani y qu'on appelle l'image de x. X est un antécédent de y par f. Donc x on appelle antécédent. Ok, ou sabir. Image y sera antécédent. Le x ou sabir de y par f. E l'ensemble du départ de f. Et f est l'ensemble d'arrivée de f. Donc en notation que je vais aller comment. F comme tu vois la chiffre F défini dans E de E dans F par exemple la F X associé F du X. La dénotation, ça fonctionne. Définie dans E, de E dans F. Très bien. Au lieu de E vers F. Bien. Donc, nous allons voir que nous avons une chose importante. D'associer à chaque X élément de E. Un unique. Unique. Yani, wahid. Élément Y de F. Yani. Parce qu'il nous dit f de x égale à y, y est wahid, si on peut nous dire par exemple f de x égale à y1 égale à y2. C'est application. Okay? Donc, yani, l'image, c'est unique. Okay? Donc, l'image unique. Donc, par exemple, là, on va voir. Géométriquement, donc par exemple, ça, F, l'ensemble F, et F, positif F, et j'ai une application de E dans F, ça F. Par exemple, l'élément dialé est x1, x2, x3, x4. Et f, par exemple, y1, y2, y3. Par exemple. Ok? Bien. Donc, toutes les x admettent une image. Donc, par exemple, le f du x1 égale à y. F de x2 par exemple y1, ok. F de x3 par exemple y2, F de x4 y2 par exemple, ok. Par exemple, l'image y3 n'admet pas un antécédent, ok. Il y a les marques qui sont, mais toutes les antécédents admettent une image, très bien. Mais, f de x1 f de x2 qui s'avoue y1, est-ce vrai ou là? Non, c'est vrai. Est-ce qu'il veut jouer un nom? Il y a une application. Donc f de x1 égale à f de x2 égale à par exemple y1. C'est vrai. Voilà, comme si vous voulez f de x1 égale à y1 égale à y2. C'est faux. Donc ça, vrai. يعني خاص ليماج تكون واحده. دونك
graph ديالها par exemple نحاول نرسمو الجراف اوكي نحط الجراف ديالنا لاحظوا معايا مزيان الجراف يعني باقي ما وصلتش للفقره ديال الجراف ولكن نحاول نرسم لكم هنا بس بالنسبه لكم دونك باغ اكزومبل درت لك هاد الفونكسيون على هاد الشكل واش هادي فونكسيون وي ولكن الا درت لك فونكسيون على هاد الشكل واش هادي فونكسيون نو بوركوا عندنا باغ اكزومبل هنا اكس وهنا عندنا ليماج ديالو ايغريك ان ايغريك دونك ني با فونكسيون اوكي دونك لي فونكسيون ما عمرها كتكون يعني فيو فيرتيكال يعني ما عمرها كتكون افقيه ما عمرك تلقى يعني الكوب ديال المنحنى ديالها دايره على هذا الشكل اوكي ديما كتكون هوك دونك يعني ما عمرك تلقى دايره بحال هكا فيرتيكال هي عمود ديالها دونك هي دونك كنتمنى تكون يعني فهمت شويه الديفينيسيون باش ندوزو للفقره الاخرى دونك دابا غنشوفو Égalité de deux fonctions, de deux applications. De égalité de deux applications. يعني كي نقول لك تساوي جوج ديال لي زابليكاسيون اوكي تري بيان deux applications. Deux applications. F et G définies dans E. De E dans F. Sont égales. Si. Si seulement si. Non, si seulement si, qu'on a eu un TKF, ok? Si seulement si, pour toutes x appartient à l'ensemble de départ E, on a f de x égale à f de y. Et on note. F égale à G. Donc, il y a une fonction de fonction sans égaux. يعني خص نلقاو كيف ما كان x من لونسومبل دو ديبار خص نلقاو f de x égale à f de g de y. G de x. خص نلقاو x appartient à E, on a f de x égale à g de x. Et on note f égale à g. Très bien. Donc, il y a une égalité de deux applications. Il y a une égalité de très bien. Donc, nous avons le graphe d'une application 3. Graphe d'une application. يعني تمثيل الهندسي ديال الابليكاسيون او لا فونكسيون او لا تطبيق يعني ابليكاسيون هي فونكسيون تري بيان شكون فاهم هو تطبيق لا غراف دو اف دو اف ان انسامبل باغ اكزومبل نسمي انا جي égal le couple x y appartient à E fois F donc x appartient à E et y appartient à F tel que f de x égale à y donc on voit le graphe par exemple notre petit graphe par exemple le graphe une fonction
ça, qu'est-ce qu'on y a? X, la dissidence, ça et du X, l'image. Très bien. Un exemple. Ok? Très bien. Donc, par exemple, ça, X1. Là, Y. Donc, il y a l'ensemble du graphe. Il y a mon garde les points. Il y a f du x égale à y. Donc, une fois que tu as x, que j'attaque y. Très bien. Donc, par exemple, par exemple, f. Une fonction définie dans de R dans R X associé 2X plus 1 par exemple. Donc les brochettes sont les fonctions de ça. C'est notre petit. Il y a un graphe dialogue. Donc, par exemple, x0. Donc, x égale à 0. Ici. OK? Donc, 0, tu payes 1. Donc, y égale à 1. Donc, premier point, ça. Le premier point. Deuxième point, par exemple, on place x1. Donc, 2 fois 1 plus 1, donc, égale à 3. Donc, 1, 3. 1, 2, 3. Donc, par exemple, ça. Deuxième point. Et donc, ou à droite, ça. Donc, ça, la courbe, c'est une fonction. Très bien. Donc, je mets la n, donc les c de f. Bien. Donc, je mets la n, je colle au moins, il y a une autre, il y a une petite chose à ce bien. Donc, parce que je fais une composition. Et donc ensuite, donc quatrièmement, composition des applications. Donc, soit F, une application de E dans F, et G, une application de F dans G. Alors, G rend F, donc elle dit que tu me rends. Il y a les cercles, petits cercles. Il y a que tu me rends. G rend F est une application définie de E dans G. Il y a F. F, G rend F, ou que tu aies l'ensemble, elle dit que tu voulais bien, donc tu voulais niche E dans G. C'est une application définie par G rend F de X égale à G de F de X. Donc ça y est, il y a un peu que tu mettais. Par exemple, G de Y, donc Y égale à F de X. Ça y est, très bien. Donc, si tu me viens, donc par exemple, maintenant, E, yep, F, et G. Donc maintenant, E, F, une application définie de E dans F. Donc ça, F. J, une application définie dans F, de F dans G. Donc ça, G. Très bien. Donc, G en F, il y a une application définie de E dans G, direct. Donc ça. G rend F. Attention, attention. G rend F n'est pas égal à F rend G. Et que tu veux dire aussi, ok? Donc, différent. G, yani, les rangs, les compositions n'est pas commutatif. Yani, mais si tu veux dire, ok? Yani, n'est pas commutatif. Très bien. Mais associatif, donc, parce qu'il y a, par exemple, trois applications F et G. Et H, F rond G rond H par exemple, égale à F rond G rond H. Donc ça, associatif. Ok? Mais n'est pas commutatif. Très bien. Associatif, il y a jmiya. Il y a une qui nous a dit, mais commutatif, il y a une qui nous a dit, très bien.
Donc, on a fait un petit exemple, mais il y a un événement, par exemple, exemple. Donc, par exemple, F, une application définie dans R, de R dans R, X associé, par exemple, 2X. G, une fonction définie dans R, de R dans R, X associé, par exemple, voilà, parce que, yani, mais c'est mouchki, yani, il a dit E, F, G. Ok, mais c'est mouchki. Le bras, tu as dit l'intervalle, mais c'est mouchki. Ou l'ensemble, mais c'est mouchki. Très bien. Donc, X est défini dans, par exemple, de 2x au carré, plus x, plus 1. Ok? Très bien. Donc, j'ai rend f de x. Égal. Donc, il y a g de f de x. Égal. Donc, 2 fois f au carré de x. Donc, j'ai f de x au carré. Plus f de x, plus 1. Donc 2 égale à 2. Donc f de x au carré. Donc il y a 4 fois x au carré, fois 4 fois x au carré, plus x. Il y a f de x, donc plus 2x, plus 1. Très bien. Donc égale. Ou 8 fois x au carré plus 2x plus 1. Ça y est. F de x qui est x. Ça y est. Donc d'abord, je joue l'image directe, l'image réciproque. Donc l'image, c'est qu'il y a moins de fois l'image. L'image directe. Donc, on va faire une définition. Donc, soit l'ensemble A inclus dans E et F, une application de E dans F, l'image directe. L'image directe de A par F, F et l'ensemble F doit égal F de X tel que X appartient à A. Très bien. Donc, par exemple, ça, E, et ça, F. Par exemple, les éléments de E, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Par exemple, grand A, inclus dans E. Donc, par exemple, ça. Ça. Bien. Donc, par exemple, l'image de ça égale à ça, l'image de ça égale à ça, l'image de ça égale à ça, et l'image de ça égale à ça, et l'image de ça égale à ça. Très bien. Donc, l'ensemble de F de A, donc il y a l'image de F de A. Donc, l'image de F de A, il y a ça. Très bien. Mais je pense que je vais les conditions. Donc, on a l'image de ça égale à ça, l'image de ça, l'image de ça et ça, et l'image de ça et ça. Donc, ça. Ça, il y a l'ensemble de F du grand A. Très bien. Ça y est. Donc, MJ, ça arrive.
بيضا ونمرو ليماج ريسيبروك يعني ليماج ريسيبروك بحال اللي قلتي الصوره العكسيه اوكي سيس ليماج ريسيبروك Bien. Donc, l'image réciproque. On prend une définition, soit B, soit l'ensemble, soit B inclus dans F, l'ensemble d'arrivée, ok? Et F est une application de E dans F, ça fait. L'image réciproque, l'image... L'image réciproque. L'image réciproque de B. Par F. Et l'ensemble. Et l'ensemble F. Moins 1 de P égale X appartient à E tel que F du X appartient à P. يعني هي les x يعني كنجبدو دابا الانتيسيدونت يعني كنجبدو هاد les x appartient à tel que F du X appartient à P يعني toutes les images à partir de B, qui nous fait l'antécédent d'Iolo. Ok? Il y a l'image réciproque. Attention, parce qu'on dit F-1, mais c'est qu'on peut dire qu'on a, c'est pas d'arrivée, parce qu'on dit l'image réciproque, c'est qu'on a une fonction bijective. Non, mais qu'on peut dire qu'on a une fonction bijective, ou là, qu'on peut dire qu'on a, bien sûr, qu'on a, donc, on a une fonction bijective. Donc, parce qu'on dit une notation F-1 de B, qu'on peut dire l'image réciproque. Yani, toutes les fonctions admis une image réciproque. Mais si on dit que c'est une fonction les fonctions bijectives. Bien. Donc, il y a une fonction qui est une fonction. Donc, c'est toujours l'adjection, surjection et bijection. L'adjection, je vais écrire tout dans la langue arabe. C'est le tabayon. Surjection, c'est le choumouli. Objection ou التقابل donc l'injection ou le tabayouni surjection li huwa chumouli bijection ou le التقابلي ok donc c'est quoi l'objection l'objection ou l'injection plus surjection très bien.